Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mon frère va acheter sa routine skincare. Je sais que vous voyez dans quelques vidéos que j'ai des boutons dans le visage. Mon visage n'est pas le visage le plus parfait au monde. Donc là, aujourd'hui, je vais acheter une nouvelle skincare pour ma peau. On va aller au magasin ensemble. On va voir une meuf là-bas, lui demander qu'est-ce qu'elle me conseillerait. Et puis, on va l'acheter. Je sais qu'il y a plein de gens qui me demandaient, Junior, fais ta routine du matin ou quoi. Ma routine, c'est rien de sérieux, tu vois. C'est quelques produits qui viennent d'Afrique, là, que ma mère m'avait acheté pour utiliser dans mon visage. C'est pas des produits de ouf, quoi, tu vois. Donc là, maintenant, je veux une routine sérieuse pour ma peau. J'ai envie d'avoir une belle peau. Donc là, maintenant, on va aller au magasin acheter des bons produits. Et maman a même dit que je suis sorti du ventre avec des boutons. Rappelle-toi de ça. Non, mais je mens pas. Ça, je sais pas. Yo, elle a dit ça. Mais j'étais là. Elle a dit que dès que je suis sorti du ventre, j'avais des boutons dans la face. Comme, peut-être c'est une façon de dire que, comme, quelques jours après ma naissance, j'avais des boutons dans le visage. Tu vois, genre, je suis né avec des boutons. Comme. Donc, c'est ça. Donc, j'ai toujours eu des boutons. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose par rapport à je suis complexé ou quoi. Oh, j'ai des boutons. Je m'en fous, ça. Tu vois, genre, ça va partir. Avant, j'en avais plus. Comme il y a deux ans, j'en avais plus. Hein. Comme, c'était pire. Genre, c'était pire. Aujourd'hui, c'est rien de sérieux, tu vois. Donc là, on va aller dans le magasin, essayer de trouver des nouveaux produits pour pouvoir faire une nouvelle routine, une nouvelle skincare. Comme ça, là, on va avoir un visage éclatant. T'as pas vraiment de boutons encore. Bijou, ça n'a pas encore commencé. Imagine, dans 6 mois, Bijou commence à avoir des boutons dans le visage. Hé, hey, on a. Mais imagine. Hey. Ça arrive. T'es dans l'âge que. T'es dans l'âge où les boutons commencent en plus. C'est vers cet âge-là que ça commence. Tu vas voir. Ah, Bijou avec plein de boutons dans le visage, là. Mais hey. On dirait. Mais si tu prends soin de ton visage, t'auras rien. Mais bon, bref. Les gars, on se retrouve dans le magasin. Abonnez-vous. Ouais. Et je retrouve au magasin. Ouh, regardez les souliers, les gars. Regardez les souliers. Il va se réveiller dans 3, 2 et 1. Les souliers sont trop beaux. Ah, marche. Avance. La roche posée, là. Avec maman, on avait déjà acheté ça. Ouais, ça m'a rien fait à mon visage. Ça n'a pas aidé mon visage à redevenir clean, soyeux et. Oh, analyse. Oh, découvrez votre type de peau. Ok, je vais faire ça alors. Comment se comporte votre peau, votre luisante? Non, ma peau est tendue ou luisante? C'est ça pour toi ou pour moi? C'est pour toi. Ok. Ouais, tendue. Comment se comporte votre peau au milieu de la journée? Chet, comment je vais savoir ça? Disons tendue aussi. Laquelle préférez-vous? Ah, Amine, dans le passé, j'ai étudié la roche posée. Donc là, on prélève avec un nouveau ou... Essayez de voir qu'est-ce qui serait la meilleure option. Vous pourriez avoir la peau sèche. J'ai la peau sèche? Attends, ça dit les étapes. Nettoyer, oh, préparer, c'est vrai. Protéger. Je reprends ça. Ouais, c'est vrai, ça, on dirait. C'est quoi? Ça, c'est bon. Ça, c'est une crème solaire. Mais ça coûte très cher. Mais c'est vraiment bon pour la peau, j'ai vu ça. Ça, là? Ouais. C'est toujours la roche posée? Pour protéger du soleil, ouais. Ça, c'est vraiment bon. Ok. Ouais. Ça, c'est pour nettoyer. Nettoyer, préparer, traiter le visage. J'avais ça. Peut-être que tu n'as pas besoin des yeux, mais tu as besoin de 3, ça. Parce que dans le passé, j'ai utilisé la roche posée. Ouais. Puis là, ça n'avait pas grandement aidé. Donc là, maintenant, c'est quoi que tu avais utilisé dans la roche posée? Le nettoyant? Les deux, là. Le... Ça avec le duo. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, ça se peut que ça n'allait pas marcher pour toi, mais... Uh-huh. Tu peux toujours essayer le sérum, c'est plus effectif que le Duo Plus. Ok. Sinon, j'en ai dans une autre marque, moi je préfère. Moi, la roche posée, ça marche pas vraiment pour moi. Puis, je préfère ça. C'est dans Ducré? Ouais. C'est ce nettoyant-là, il est vraiment bon. Je trouve qu'il est meilleur que la roche posée, il est plus hydratant, mais ça, c'est fait pour les peaux grasses puis les gens qui font des boutons quand même. Ok. Puis le sérum, c'est moins cher que la roche posée aussi. Ok. Puis le sérum est vraiment bon, c'est pour des boutons, texture. Puis le sérum, il faut juste que je le mette, genre? Ouais, ben, il faut une crème d'attente après, mais ouais. Tu fais juste nettoyer ta peau, après c'est le sérum, puis après une crème d'attente. Ouh, ça coûte cher de prendre soin de son visage. Ah oui, tu dois pas le manger. Crème solaire aussi? Ouais, chef. Là on touche déjà les 100 balles, là. Non. Demain, une exception de ça. T'as dit, trois ans, on en a une, non? Mais très aussi, on a besoin. Mais je peux partager avec elle. Ok. En tout cas, prends ça, moi je l'ai dit. Dites-vous qu'il y en a qui ont un visage clean, naturellement. Comme moi. Un visage clean peut ne plus être clean si tu n'en prends pas bien soin. T'es là à juste manger du sucre, t'es là à mettre n'importe quoi dans ton visage, tu touches ton visage sans laver tes mains et tout. Non, mais moi, il pourrait ne pas devenir clean après. Visage. Ouais, c'est ça. Mais moi j'ai remarqué que, ouais, des fois, j'ai tendance à toucher mon visage, donc je pense que je vais arrêter ça aussi.
Les gars, je suis de retour à la voiture et je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté. Je vais vous montrer chaque produit de plus près. Et même moi, je vais les découvrir de plus près parce que je ne les ai pas vus de plus près quand la meuf me les avait montrés. Regardez mes cheveux, les gars. C'est mieux comme ça? Ben oui. Ouh! Premier produit. Ça, c'est un gel moussant pour la peau grasse. Donc là, je commence avec ça. Je mets ça dans mon visage. Je nettoie pendant une minute, elle a dit. Et ensuite de ça, quand je finis avec ça, je nettoie un peu mon visage pour pouvoir enlever la mousse, pour pouvoir sécher ça. Et ensuite, là, je passe avec ça. Ça, c'est un sérum. C'est même écrit, sérum qui aide à réduire l'apparence des boutons et les marques de persistance de première ride. Ride? Chef, j'ai pas de ride. What the fuck? Acide azil... J'espère que ça va marcher sur moi, bon. Après avoir fini avec ça, les gars, je clean mon visage. Ensuite de ça, je passe avec les... Ça. Et ça, elle m'a donné des échantillons parce que je ne l'ai pas acheté lui au complet, là. Elle m'en a donné à peu près 3. Donc là, je dois faire ça pendant à peu près un mois pour voir des résultats, elle a dit. Mais moi, je pense qu'en une semaine, j'aurai des résultats. Pour de vrai, en une semaine, j'aurai des résultats. Donc, pourquoi tu m'as regardé comme ça? J'ai regardé comment? Bref. Je pense qu'en une semaine, j'aurai des résultats. Ah! 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 Je t'ai eu, hein? Donc, en une semaine, moi, je pense que je peux avoir des résultats. Parce que mon visage, il est assez rapide, tu vois. Il se gâte rapidement, mais il peut guérir rapidement aussi. Donc là, on espère que dans une semaine, j'aurai des résultats. Là, une semaine. On doit y aller. Moins de un mois. Heures, là, demain matin, quand je vais me réveiller, je vais me laver et tout. Je vais utiliser le produit devant vous. Et c'est ça quoi? Pour une première fois. Oh, est-ce que j'aurais dû acheter aussi une serviette pour nettoyer mon visage avec? Mais il y en a à la maison. Et puis, s'il y en a qui ont des conseils dans les commentaires, dites-le moi dans les commentaires. Il faut juste bien manger. Bien manger aussi. Hein. Le sucre aussi. Pas trop de sucre. Le sucre. S'il y en a qui ont beaucoup de boutons, le sucre arrêtez. Sucre artificiel. Parce que avant, je n'ai pas autant qu'avant, les gars. Genre, mon visage là, il est pas mal comparé à avant. Donc, s'il y en a qui ont beaucoup de boutons dans le visage, bro, mangez pas trop de sucre. Sucre et sel aussi. Trop de sel. Sucre artificiel. Parce que tu dis sucre comme on ne peut plus manger de fruits. Au lieu que les fruits, c'est bon. Projet beau visage, bro. Genre, mon visage sera tellement clean, bro. Yo. Tu riais de moi. Donc, les gars, je vais arrêter de le dire 1000 fois. Bon, on se voit demain matin. Bon, les gars, je pense que vous allez bien. On est le lendemain de la vidéo. On est allé acheter mon skincare. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là dans la vidéo, alors que c'est ma vidéo à moi. C'est mon visage. Et attends. Montre le reçu, s'il te plaît. On va leur montrer. 4 euros. Attends. Passe. On peut pas montrer au complet parce qu'il y a ta carte aussi. Ok, juste cash. Juste montre le montant total. Les gars, ça a coûté ça. J'ai oublié de vous montrer hier. 78 balles pour mon visage. Les gars. Ça, c'est le produit là qu'on a vu hier. Là. Je vais vous montrer une preuve que j'ai vraiment utilisé ça. Que tu prenais avant. Que je prenais avant. Il s'appelle La Roche Posay. J'utilisais avant, mais j'ai pas eu vraiment de résultats très concrets. Donc là, j'ai arrêté de l'utiliser. Je sais qu'il y en a plein qui regardent la vidéo sans être abonné. Et ça, j'aime pas ça. Ça m'énerve là. Comme tu regardes la vidéo, t'es pas abonné à ma chaîne. Pourquoi? Si t'es abonné. Ok. On y va, Bijon. T'as la vitamine ou pas? Ouais. Ok. Et j'ai amené une petite serviette pour nettoyer mon visage après. Elle n'est pas, vous inquiétez pas. Elle est clean. Mais. Donc, pour rincer le visage, ensuite, quoi? Okay. Ça, c'est le gel moussant. Ça sent bon, hein? J'ai envie de mouiller mes cheveux. Faut que je lave bientôt mes cheveux aussi, là. Je viens de les défaire, là. Je vais faire un bon et gros lavage, là, bientôt. T'en as de tes yeux? Hein? T'en as de tes yeux? Non, juste pour que ça rentre dedans. Ok. Clean. Tu t'en clean là? Ouais. Et regarde-moi. Ouais, on dirait. Ça, ça mousse pas. J'en ai pas pris beaucoup. Parce que moi, j'ai pas abusé. Moi, j'ai pris un petit peu seulement. T'es sérieux, t'as mis ça sur la table? Oui, elle est propre, gros. Utilise un bouton, moi, je utilise l'autre. Là, ça mousse. Ouh, c'est clean. Oh! Bon. C'est ça? Le sérum. Ok, n'abuse pas s'il te plaît. C'est pas beaucoup. Et c'est, en plus, c'est celui qui a coûté le plus cher. Il a coûté 30, il a coûté 40 dollars. C'est bon. Je fais un petit poème, ok, pour mon visage. Visage, je t'aime. Visage, envisage que tu sois beau. Ferme. Visage, envisage que tu sois beau et que tu reviennes beau comme voir avant. Visage, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il dit? Visage, de... Qu'est-ce qu'il dit? Ça mousse? Ouais.
Est-ce qu'après avoir mis tout ça, genre, tu te sens rafraîchi? Ton visage, c'est comment? Nice. Oh, il y en a dans ma bouche. Oh, ton visage, regarde plus. Luisant. Il va dire, je sais pas, ça veut dire quoi, luisant, mais ton visage, elle a l'air éclatant. Oui, je vais pas te mentir, ouais. Ouh, yo. Moi, j'ai fini, les gars. Je voulais faire une junior. Ok. Oh. Je vais faire avant, après, là. Ok, non, Bijou, il n'aura pas de bouton alors pendant son adolescence, bro. Lui, il est prévenu. S'il prend bien sur son visage, il va être clean. Il aura un beau visage, là. Les gens de ton âge auront des boutons, ok? Ils ont de, hey, chef, ils ont de l'acné à des moments et tout. Toi, ton visage sera clean. Et j'ai un petit sentiment de fraîcheur, là. Je ressens de l'air, là, dans mon visage. Là. Il a l'air plus clean. Parfait. On va le passer. Oh, c'est tellement doux. Et ça sent bon, en plus. Ça sent le fruit. Je sais pas quel fruit, mais ça sent le fruit. Ça sent l'aloe vera et la fraise mélangée. Et bon, comment ça va, c'est là? Maintenant, je vais passer avec le gel hydratant. Oh, ça sent trop bon. Ça sent la fleur. Bon, les choux, bon, les gars. Oh, putain, merde, bro. Oh, il a plu hier, les gars. Il pleuvait et puis j'ai séché ma veste de Big Juni dehors. Et là, il s'est fait mouiller par la pluie. Oh putain de merde, bro. Je vais l'enlever d'ici en même temps. C'est pas grave, je m'en bats les couilles là. Chef, t'as dû me dire que t'étais ici, bro. J'avais venu te chercher. Pourquoi t'es comme ça? La pluie t'a pas trop mouillé, j'espère. Hein? Vas-y, viens, on rentre. Bon. Les gars, j'ai enfin fini. Jour 1 de l'utilisation des produits qu'on a achetés pour mon visage. Regardez mon visage, il a l'air plus clean. Hein? Je sais pas, je sais qu'il n'y a pas de gros changement déjà. C'est ma première utilisation, mais j'ai le sentiment d'être un plus rajeuni, plus luisant. Tu vois, regardez ça. Ouh! Bon, les gars, ça fait maintenant... Chef! Les gars, ça fait maintenant quelques semaines que j'utilise le produit là, quelques jours, à peu près 10, 12 jours maximum. Qu'on utilise le produit et puis regardez quoi, mon visage, s'il y a eu des gros changements selon vous, je pense pas, mais bon, regardez ça. Je fais comme s'il est censé déjà avoir de gros changements là, mais bon, il n'y a pas grand changement encore selon moi. Et puis les gars, je vais pas faire clair, j'utilise le produit à tous les jours, les gars, il y a des jours que j'ai la flemme. Je pense que j'ai fait genre 3 jours sans utiliser le produit, après là j'ai recommencé à l'utiliser, après là j'ai arrêté de l'utiliser, après j'ai recommencé de l'utiliser, donc là, je suis pas vraiment consistant avec le produit. Des produits comme ça, je pense qu'il faut vraiment les utiliser à tous les jours si tu veux avoir des résultats concrets. Après, disons 30 jours, quoi, tu vois. Moi, je ne l'utilise pas de façon régulière et. Tu vois, parce que j'ai la flemme, je l'avoue, j'ai la flemme, les gars, je ne vais pas faire le parfait là. Coucou, Michou, il faut l'utiliser tous les jours, non. Mais bon, je vais essayer de me remettre là, de l'utiliser à tous les jours. Je l'ai utilisé hier et aujourd'hui. Donc là, demain, je vais encore l'utiliser. Donc, je vais essayer d'être, tu vois, actif, quoi. Comme ça là, d'ici 30 jours, vous allez voir des résultats sur ma face là, les gars. Donc, c'est ça. Je voulais juste faire un petit update une semaine plus tard avant de poster la vidéo. Et puis, c'est ça, quoi. Je vais la poster aujourd'hui. On est le 10 août 2024, les gars. C'est trop cool. Deuxième vidéo de la journée. J'ai sorti une vidéo tout à l'heure. Ça, c'est la deuxième vidéo de la journée, les gars. On est actif là. On est chaud là. Et puis, juste comme ça, pour ceux qui ont vu la vidéo là, mais dans la vidéo, on joue à Fortnite. Et puis, j'ai vu déjà des commentaires dire « Yo, Junior, comment ça investir dans la PS5 là? C'est chaud là. » J'ai regardé le montage avant de poster la vidéo, ça ne laguait pas. J'ai vu quelqu'un dans les commentaires dire « Oh, ça laguait. » Ou bien c'est ton Wi-Fi qui laguait et tu avais l'impression que la vidéo laguait. Mais bon, je ne sais pas, comment une vidéo YouTube peut laguer? On faisait que jouer à la Play, à la PS4. Mais bon, bref, ouais, ça m'a bien fait rire ceux qui ont dit « Yo, Junior, il va falloir que tu commences à investir dans la PS5 là. » Les gars, vous inquiétez pas, je vais investir dans la PS5 bientôt là, bientôt. J'attends juste le bon moment. Parce que moi, de base, je comptais investir dans la PS5. Quand GTA 6 va sortir, comme ça là, j'ai GTA 6 et la PS5 en même temps. Mais bon, là, je pense qu'il va falloir que je commence à... Il va falloir que j'accélère le pas là pour choper la PS5 là. Demain encore, je vais sortir des vidéos sûrement. Et c'est mon anniversaire demain, les gars. Si t'es resté jusqu'à là de la vidéo, écris dans les commentaires. Anif. Juste Anif. Comme ça là, je vais savoir que t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Juste Anif. Je vais pas vous demander d'écrire joyeux anniversaire. Parce que là, ça n'a aucun sens. Parce que là, c'est comme si je vous force à m'écrire joyeux anniversaire. Tu vois, c'est pas vraiment, ça vient pas du cœur. Écris joyeux anniversaire dans les commentaires. Tu vois, ça, c'est forcé ça, tu vois. Donc, juste écris Anif dans les commentaires. Et je vais savoir que tu es resté jusqu'à la fin. Et si vous voulez m'écrire joyeux anniversaire, bon, c'est à vous là. C'est vous qui choisissez. Donc, c'est ça, les gars. On va peut-être aller dans un restaurant pour ma fête. Et je vais peut-être filmer si vous voulez. Écrivez dans les commentaires si vous voulez que je filme. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, bien sûr. Les autres qui ont quitté la vidéo, ils savent pas ça, bon, tu vois.